to pamboluyo to zongisi matondi maiki na mboka na yo na bolingo monene mwana nzambe oyebaki na kopatela moko na moko uta tongo etanaki kino komisi biso na poko ya lelo makomiono minanga moko te ayake pa na yo azonga lolenge azalaki na tolisami na konzima ete lolenge tokutani na oyesika tonga lolenge toyelaki te sangisaka bana na yo pamba te yo sangisaka bana na yo eza pour accomplir quelque chose tosengi loboko na yo ya nguya ezala likolo na biso sika te mwana na moto atia mapembeni kasi yo ozwa esika Seigneur Saint-Esprit viens glorifier le nom de Jésus Seigneur Saint-Esprit viens justifier le nom de Jésus Balongi tolobi amen trois fois. Sika tenzambalola a pambolayo. Tovande sika ezwami biso yambo yakobanda iteya na biso ya pokwa lelo. Sika na tonda matondi mingi penza epa yampaka lingomba papa Beli pona marque ya confiance oyo azako renouveler likolo na biso Zambe azongisa ya mingi. Na pesi pe merci na bancadrer nyonso pe be ekipe nyonso ya lingomba amial pona mosala kitoko oto iko sala tango iso toyaka awa tokutaka penza makambo ya sika pe makambo bakisa maka tango nyonso sika na tonda bandeko nanga balanga nzembo pe matondo mingi pona louange adoration ya pokwa ya lelo amen amen. Une fois n'est pas coutume na zobanda message à pourquoi le lot na prophétie moko amen amen. Mais na lingi yo za la prophète na ngai pour na voisin na yo yebisaye na sentir onction aussi sa prière retard le lot kobanga te yebisaye na zo sentir le lot onction aussi sa prière retard le lot amen amen. Moli mwesu na biso amen. Zamba pambola yo. Voilà, maman na likambo na biso eza vaincre l'influence du mal. Amen amen. Mais na ko évoluer plus na sous-thème o ezali l'autel du sang et la dîme. Amen amen. L'autel du sang et la dîme. Zamba sunga biso to silisa penda attend pe to zo moins quelques minutes ya prière. Na zobanda prière ya pourquoi lelo na lisolo mibale lisolo liboso eza une jeune fille de 19 ans na kata ba relation ndenge ekoma bomesano. Elle vivait avec un garçon qui avait 22 ans et na beaucoup tani na bango yeko sala ke la jeune fille ayoko kwa mukumba azwizemi et lorsqu'a constaté que a komi na mokumba ake pa garçon a yebisie mais curieusement les garçons a boy ko asime responsabilité ya mokumba wana alobi eza ya ngai te. Or la fille ne vivait qu'avec les garçons a yeba ki garçon mususu te c'était le seul garçon de sa vie mais lorsque komi moment ko asime responsabilité le garçon s'est désisté à l'obéissance à Yangate. C'est ainsi que la fille a botta moi na sa tata. A bandi ko boko la moi na wana yemoko. Et nangolu ya nzambe, nzamba fungoli porte ya kozwa libala, pe tata wana anzimi kozwa moi na wana loko la moi na ye, pe abokoli. Mwana wa botta maki, azalaki moi na ya mwasi, akoli, atangi, aibika tata wana. Amen amen. Amen amen. Aibika tata wana. Nzambe na mawana ya ko sala ngolu la fille o tata abuaka ki aboya ki e ayoko zo fiancé pe fiancé wana ayeko honoré. Mais e komi to le deux familles bakuta na kapona ko zo makambu la famille mubali a exigé le komoko. Il faut qu'à tata. Oh, y'a pas ta mouana, oh.
tata mon beau colité. Il faut qu'à ka tata. Oyaza mon colo ya moana génétiquement parlant. Il faut yende aya. Pour na coutume na biso, topé sa kabiloko et ka kapa ya tata. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? C'est alors que bake ko luka tata wana a se présenté de nyoso eleki na kimia. Li solo ya mi balé ezaka ka jeune fille. Moko pe li susu atanga ba classe akenda ti na été lo likolo penza. Kaka nenge sala kana kata ba relation yé pe ko kwa mukumba. Cette fois-ci, il y a oyo les garçons poyé. Les garçons anzimi. A assumer responsabilité ba acte oya posé. Mais le problème est se poser pas ya maman la fille et pas ya papa na ye. Ba tali ba telo ba sacrifice ba sala pour moi na bangwa tanga. Et pas kwa mukumba na zelate. Na pas wana ba yima na motema. Pe ba loba maloba. Nicolo ya actué salema. Après quelques temps les deux familles ba yoko bongisa. Ba officialiser ma campo. Ba yokana mwana kota libala mais ba longola maloba wana te. Tango mwana wana potami akoli yepe na tournaye ba yoko angrosseye. Nenge ba angrossa ki mama na ye. Yepe tango aboti na tourna ye koko tango ye ba angrosseye. Dans la famille, on a pas na basi avant abala. Il faut qu'on a nous mokumba libanda après yoko bala. Réalité na bango ango wana. Mais moutouneza, pourquoi? Bazo pika réalité wana. Bazo pika réalité wana parce qu'il se passe quelque chose. Parce que eloko moko ekotaki. Eloko ezala kite. Ezana eloko moko. Na mokolo moko boe. E yaki kozala instauré. E yaki kozala installé na kata libota wana. Pe eloko wana. Ezo zwa vie de génération en génération. J'aimerais dire à une personne na bouton lelo. La famille c'est le sang. La famille n'est pas le phénotype. La famille c'est le génétique. Et ça n'a pas tout le monde au tali, il y a ressemblance à papa ou à Botayo. Mais pourtant, il y a 4 jeunes qui ont été mis en famille. Mais ce qui est au tali, il y a un aléke. La chose qui tranche le lien d'une famille, ce n'est pas le phénotype, mais c'est le génétique. Et le sang est fait partie. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en génétique. Pourquoi le sang est le la GPS de la famille? Et si ta papa y a makila, a boye qui qu'on soit, responsabilité a tinaye. A boye qui a simé yango, a cause à irresponsabilité. Mais le jour, makila naye, et zongi si y a kata responsabilité naye. J'aimerais dire à une personne, sakana na niyoso, mais que sakana na makila te. Car le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la famille. Et nous parlons des hôtels dans le sang. Bako Sungabiso, Mukanda Yajid, chapitre 1, le verset 9. Après Tokotang à Zacharie, chapitre 3, le verset 1er. Totelemito honoré Malobanzambe. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Or, l'archange Michael. Nzokande. Archange Michael, lorsqu'il constatait avec les diables, tango azo wale la na sata, et lui disputait les corps de Moïse, pe azo ndunga na naye pona ko wale la nzoto ya Mose, n'osa pas porter contre lui un jugement injurié. Atikala ko fingate, kata no wala. Toke na Zacharie rapidement. Zacharie chapitre 3, le verset 1. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, Atalisinga Yoshua, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite, pour l'accuser.
parole de l'Éternel. Rendons grâce à Dieu. Tobeteni le banzambe maboko. Na lingi ensemble to analyser des versets oy. Na kata des versets to somo na présence il y a diable na kati. Mais où ils ont frappé un ami ce Zanin. Lorsqu'il s'agissait de Josué le sacrificateur, la Bible ne dit pas qu'il était en train de contester le corps de Josué. La Bible ne dit pas qu'il était en train de disputer le corps de Josué. Mais il était en train de l'accuser. Mais et comme il a tout et à moi, c'est, et ça sous les camoufles accusations, t'es. Encore que vous allez l'année sorte. Or, ce qui te yéna kat, il y a poids spirituel. Les sacrificateurs Josué ne pèsent pas devant Moïse. Lorsqu'on parle de contester, de disputer, en d'autres termes, la Bible veut simplement nous dire que le diable et l'archange étaient en train de réclamer le corps de Moïse. On est en face d'une réclamation. De l'autre côté, il est en train de réclamer, mais de l'autre côté, il est en train d'accuser. Or, la logique des choses voudrait que pas y a Moïse et ça rende accusation, mais et pas y a et ça la réclamation, parce que la balance spirituelle, Josué ne pèse pas devant Moïse. Mais là, on est en train de vivre une situation inverse. Pourquoi? Parce que la carte, c'est à Moïse. Le diable, c'est ça. Qui a un droit et l'okomoko. Mais et pas y a Josué. À Monique, un droit et l'okomoko. La seule chose que je peux faire, c'est de l'acquiser. C'est de l'acquiser. Mais pas y a Moïse. Il ne s'agit pas d'une accusation. Mais il s'agit d'une réclamation. Or, la réclamation, c'est quoi? La réclamation, c'est quoi? Je vais expliquer ça dans des termes simples. Ça, c'est mon téléphone. Et ça, Yangai. Amen, amen. Amen, amen. Et ça, téléphone, Yangai. Tu as dit que papa Beli. Tu as dit que tu as papa Beli. Mais tu n'as pas de téléphone. Tu as dit que tu as l'obité, un jour, je vais rentrer pour réclamer mon dit, parce que cela m'appartient. On ne peut que réclamer quelque chose qui t'appartient. La réclamation, c'est une revendication du droit d'un dit. Lorsque la chose ne t'appartient pas, il n'y a pas de réclamation. Donc, en d'autres termes, le diable a estimé qu'à Moïse, il y avait quelque chose qui l'appartenait. Et cette chose lui donnait la force, cette chose lui donnait le courage de se lever et de revendiquer son droit. Mais quelle est cette chose? On parle de Moïse. Ce n'est pas n'importe qui. L'homme qui a plié la grande puissance d'Égypte. L'homme devant qui les eaux se sont séparés. Ce n'est pas n'importe qui. Mais comment dans cette dimension élevée, Moïse peut être réclamé par les diables? C'est ça la grande question. Il y a des chrétiens qui prient aujourd'hui. Il y a des familles qui prient. Parce qu'on gêne dans le bango. Parce qu'on mata bangomba. Mais ceux qui ont zongi, ce sont les mêmes réalités. Où ils ont quoi accablé. Ils ont prié, ils ont prié. Ils ont gêné, ils ont gêné. J'aimerais te dire, même le grand Moïse avait un problème spirituel. Blague avec ta vie. Blague avec la vie. Si Moïse, Mouton Zamba est utilisé puissamment. Est-ce que Nganon Zamba s'est utilisé puissamment? Mais il est réclamé. Il est réclamé. Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse est l'homme qui a enlevé la malédiction de Jacob.
Or, ne peut qu'enlever une malédiction qu'une personne qui est supérieure. Ce qui va condamner Ngaï, dans l'instance à premier degré, je peux monter. L'instance à second degré, je décision. Dans le cours d'appel, je vais casser. Ce qui court d'appel est quitté, je vais en cours à cassation. Ne peut que révoquer une décision qu'une institution qui se place au-dessus du premier institution. Il y a un moment où tout le monde a eu de Bethel. Il y a un qui est un poids spirituel et il en a payé le prix. Mais lorsque Moïse est venu, il a enlevé la malédiction de Jacob sur Ruben. Que Ruben ne meure plus, que Ruben vive. C'est cet homme qui est réclamé. Parce que le problème de Moïse, c'était un problème qui se trouvait dans son sang. Le problème de Moïse, c'est un problème du sang. Tu peux servir Dieu, mais si tu ne coupes pas certains liens à famille, tu serviras, mais tu souffriras. Tu vivras la grâce, mais la grâce dans la souffrance. Or, il y a des gens qui vivent la grâce, mais dans le bonheur. Grâce à la souffrance ces années, je vois la main de Dieu. Je vis la main de Dieu, mais je fais comme ça. Pour vivre cela. Mais alors, Moutoumoussous, à Mati Mangengengete, à quel ici la thé, il y a un pasteur Moïse Ayemba, sur la télé Meka, na tomboli maboko, à Yokingai, à son vivre grâce moko, il y a souffrance, parce qu'il n'a pas de problème, na kata makilanaï. Amen, amen. Moïse avait un problème de sang, et problème Nézani, c'est parce que le diable avait installé l'autel, na kata makilanaï. Il y avait un hôtel dans le sang de Moïse. Or, l'hôtel de sang est l'hôtel le plus dangereux de tous les hôtels. Parce que l'hôtel se nourrit du sang. Il n'y a pas l'hôtel sans le sang. Et si quand il y a son hôtel, il faut qu'il ait ça. Amen, amen. Est-ce que Kimio Batouba Vandi, ils ont posé au côté de ce côté? Soyez au côté de Palicolo. L'hôtel, c'est quoi? Rapidement, un hôtel, c'est un hall. Et ça, hall, premièrement, de par sa définition, description plutôt géographique. Parce que ça, c'est situé dans le terrain Moko, où est-ce l'icolo, qui est le terrain Moko. Na ko peso exemple so ko ken na ipen pigeon c'est un olier. Au mona ba antenne nion so ba chaîne à télévision isa la pigeon parce que c'est un olier. Isa olier parce que isa ko se retrouver na terrain moko ou isa likolo. Olier angola. Deuxième définition, le olier c'est quoi? C'est l'endroit il y a rencontre il y a esprit. Ayebisi na Jacob, Genèse chapitre 35, verset 1. Abine zonga. Et si kan abime la kiyo, na Bethel. Et si comme on a qui échelle, c'est là que tu vas me bâtir un hôtel. Pourquoi? Parce qu'il y avait une rencontre entre les cieux et la terre. Les hôtels ne sont pas bâtis n'importe où. Les hôtels sont bâtis dans le lieu où il y a la rencontre des mondes des esprits. Il y a un même mouvement spirituel qui se passe. Église n'a pas besoin d'église et son hôtel. Pour église et matin, il faut église où on a étongama et si comme il y a une attraction physique. Et si comme on a tiné les airs qu'on fout entre le Dieu et la terre, où l'église va prospérer. Dans mon église, ce sera changé qu'à adresse et qu'au quoi. Parce que ce qui est commis, ce n'est pas un haut lieu. Les hauts lieux allés. Un haut lieu peut être une personne qui a un niveau de connaissance élevé. Dans tout le rôle de papa, lui, ce sont des hauts lieux. Parce qu'ils ont des niveaux de connaissance et de spiritualité élevés.
C'est une personne qui peut t'instruire sur des choses que tu ne connais pas. Amen, amen. C'est un haut lieu. Mais Oizo Sepelisanga, c'est le lieu par excellence. Il y a rencontre, il y a esprit. Or, le sang est le lieu par excellence. Il y a rencontre, il y a milimo. Ne blague pas avec le sang. Beaucoup de vies sont détruites aujourd'hui à cause du sang. Le sang, c'est la vie d'une personne. La Bible dit que l'âme d'une personne se trouve dans son sang. Et on a péqué sur Bango pour lire à ta maquille à Banyamate. Père Yabisi Noé, je demanderai ton sang, même pas à Banyama, ou à Bomio, non, Seigneur, on fout ta maquille à Nayo. Parce que la vie, c'est le sang. Le sang est l'offrande par excellence des autels. Fais attention avec le sang. Jeune fille, jeune garçon, frère, sœur, fais attention avec le sang. Dans la Bible, on parle d'un certain Onan que Dieu a tué. Pourquoi? Parce qu'il refusait de donner une postérité à son frère qui était mort. La Bible dit, pendant qu'il y a un kende, que Sangisanzoko, Namoua Sende Kona Tikaki, mais il pense qu'à comment qu'il y a un moment, il y a qu'on libéré sémence mal, et libéré la tête, à Obuwa Kangon Alibanda. Or, sémence wana, c'est le sang. Il a refusé de donner la vie. Sémence mal notika ango wapi. Makila na yo tika ango wapi. Kendo tout na maman ou a sa la fausse couche. Qu'est-ce qui sort? Mais où est kote kele makila te? Mais mi makila nde. Et quand tu as qu'elle est maquillée, mais tant qu'elle est sopani, maquillée bimi, et lui maquillée. La vie, c'est le sang. Beaucoup de garçons sont détruits aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris les valeurs du sang. Et bien, on dit qu'il y a des semences dans le monde partout. Yaya, on dit qu'on a une chambre à hôtel, on dit qu'on a une colonne à drap, un hôtel où on a. Occultiste, nous savons aller chaque bout à récolter Kabatrawana pour recueillir bas ces mons nions au Ezalakawana au comment à l'ibala ma pote à Ezate au comment le banoko Ezan nos côtés. Tu n'as pas si chéri la vie que Dieu t'a donnée. Fais attention avec les sangs. Amen, amen. Mais pourquoi les diables? Pourquoi les diables? Aponi kaka zwa hôtel. Atia na kata makila. Ezana hôtel ou ezana mboka. Ba alimenta ango kaka chaque 302 ans. Il faut mouta koufa. Au monde dans ma famille, moussous, chaque 4 à 5 ans, il faut mouta koufa. Lorsque mouta zo koufa, baza ko alimenter hôtel ou anan. Pourquoi? Et l'eau qu'on y a sur 11 ambassades là, c'est nourri de quelque chose. Toute chose qui existe, c'est nourri de quelque chose. Et l'hôtel, c'est nourri de sang. Mais hôtel et maquilla, elle en a besoin, elle a 3 ans. Elle en a besoin, elle a 4 ans. Mais c'est chaque jour, elle s'en se nourrit, il y a maquilla na yo, il y a maquilla y a famille na yo. Et le résultat, on coûte à la famille une grande souffrance continuelle. Une souffrance, où elle qu'on se perpétrer du jour au jour. Et mon ami, tout pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parce que tu as un hôtel dans le sang. Amen, amen. Apôtre Paul dira, malheureux que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera de la mort? À ça, apôtre, à ça, la kaba miracle, à te yaka. Mais alors bien qu'ils reconnaissent le loco moko, et ça n'a pas qu'à moussous, à
sala, mais aza ko se rendre compte en sala ngote membre ya nzoto na ye za ko imposer ye réalité mususu. L'autel de sang va t'imposer son rythme de vie. Oyo lingo sal, yango to sal, o sala oyé elinga sal. La réclamation exautel la katamakila. La malédiction générationnelle, c'est un hôtel dans le sang. Pourquoi les diables sont prenant Makila? J'aimerais dire à une personne, Nanzambe na sataki beni une personne. Na yokiote. Nanzambe na satan, na apambola amoutou. Je suis désolé de te dire que Dieu ne bénit pas une personne. C'est le diable qui bénit une personne. Zamba pambola amoutouté. Satan mouta pambola amoutou. Lorsque le diable bénit une personne, il bénit la personne où a sali alliance naïe. Bénédiction n'est ce qui n'est pas naïe. Lorsque la personne meurt, les choses où on soit occupé et koufi, même pas dans les bons bénéficiaires dans l'autre. Parce que l'alliance était conclue entre le diable et le père. Mais lorsque Dieu vient, il ne bénit pas la personne, il bénit le sang d'une personne. Parce que cette bénédiction doit être une bénédiction générationnelle, de génération à génération. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi, pour qu'on contrecarre ma plan en an, il est venu installer un hôtel qui va t'empêcher d'être béni de génération en génération. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la fermentation d'une bénédiction ou d'une malédiction. Mais qui les a le droit à les vivre, ou ils en a quatre autres. Lorsque va libérer parole à la bénédiction, soit ma qui les a la bénédiction, et foulou qui s'y pamboliwana. Soit que ça y a malédiction, et foulou qui s'y malédiction wana. Parce que ton sang, c'est la fermentation. Le sang a le pouvoir de fermenter les choses. Mais le problème où Moïse a vivre, ce n'est pas le problème où il a provoqué. Et ça, ma camoura, il a l'oukité. C'est une des choses où il a hérité et pas à Koukonaï. Ngongezo Kima, ils sont obligés d'avancer rapidement. Le problème à Moïse est bandé par Naïté. Le problème à Moïse est bandé les jours où Jacob, avant de s'en aller, rassembla tous ses fils. Lorsqu'il a commencé à bénir, mais et comme étant où Lévi n'a Simeon, alors il Lévi et Simeon son frère, que mon homme n'entre pas dans l'air conciliabile, car dans leur colère, ils ont tué des gens, dans leur colère, ils ont détruit des filles. Maudit soit la colère de Lévi et de Simeon. La malédiction s'est installée dans les sangs. Et tu verras, ils ont tué par colère. Parce que leur sœur était violée. En Égypte, Moïse a tué par colère parce qu'un Égyptien était tabassé par un Israélite était tabassé par un Égyptien. Le sang. Maudit soit leur colère. Et le plus grave, Moïse est appelé, mais cette colère ne quitte pas Moïse. Et comme une plus grave encore, ce côté qui t'a abomé égyptien, on ne parle pas d'une colère enflammée. Mais lorsque Routine a 40 jours en montagne, à Kiti, Israël est sous Moki, la Bible dit, il s'est enflammé d'une colère ardente à Panama. Parce que c'est une colère qui est maudite. Ce n'est plus Moïse qui agit, mais c'est le son de la malédiction. Oh Yakanda, Néosa, l'alcoolant Moïse. Il y a un comportement, mon sauce. Vous comprendrez, hein? Tant que vous n'allez pas, hein? Vous allez être moins bien. Mais depuis qu'on connaît que ça, mais là, qui nous mati. On n'arrive même pas à distinguer à ça, mais là, solo, toi, solo, t'es. Ce n'est pas toi, c'est le sang. Et ça, ma camp, ma famille. Mon diable, mon moine. Mon diable, mon famille. Mais l'autre grande question pour toi, avant, c'est qu'on s'y dit, ça te bonde là.
pourquoi Aaron et ses fils, qui eux aussi étaient des Lévites, n'ont pas subi la chose que Moïse est en train de subir? Amen, amen. Dieu lui dira, appelle Aaron et ses fils. Tu vas les consacrer pour mon service. Tu vas amener des béliers, tu vas amener des taureaux. Ils mettront leurs mains sur la tête des taureaux. En mettant la main, il y a une transmission, il y a un échange spirituel qui est en train de s'opérer. Le son de la malédiction. Ouais, ça veut dire que tu as Aaron à Balanaï. Curieusement, ma kila wa ne son longwa. Et je qui n'est pas, il y a ma bélier. Et je qui n'est pas, il y a ma taureau. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi tu dois égorger les béliers. Tu dois égorger les taureaux à la place des Aaron. Parce qu'il y a un échange de son. Pourquoi? Il y a une spiritualité entre les animaux et les hommes. Il y a une spiritualité entre les animaux et les hommes. Maman Pitcha Tuna Kingai. Dimanche temps, papa Zoloba. Pourquoi? Il y a bien qui? Hérode Renard. Dans le bac à mouquet, parce que ce n'est pas Maté à l'élo. A bengi renard, parce que le renard, c'était le totem spirituel à Hérode. Avant d'être démoniaque, le totem est d'abord divin. Lorsque Jacob bénit, il dit que Judas est un jeune lion qui revient du carrelage. Benjamin, c'est qui? Un loup. Mais pourquoi il associe la vie de ses fils avec les animaux? Daniel aura des visions sur les siècles à venir. Mais au lieu de voir des royaumes, de voir des rois, il voit des animaux. Quel rapport y a-t-il entre les animaux qu'il est en train de voir et nous qui vivons en ces siècles? Il a parlé de l'ours, le symbole, l'animal qui symbolise la Russie, c'est quoi? L'ours. Il a parlé de léopard, le symbole de l'Allemagne, c'est quoi? Il a parlé de lion. Le symbole de l'Angleterre. Il a parlé de volailles. Dans mon Congo, il y a léopard. N'as-tu jamais entendu parler d'un couple franco-allemand? L'animal qui symbolise la France, c'est quoi? Une équipe. Écuisson. L'équipe à France. Batsarani. Ma parenthèse. Mon colombe sous son jambapé, si ma coquille. Il y a une transmission. Le sang de Jésus nous a sauvés d'une pauvreté extrême. Parce que s'il fallait donner à chaque mois, la demande d'utilisation, et on va à chaque jour, et on va à tabac, et on va à l'équivalent combien? Quand il fallait tuer et égorger des bêtes, on appelle ça des victimes expiatoire. Tu allais dépenser combien de têtes de bœufs, d'ânes, de taureaux pour être pardonné? Mais le sang de Jésus nous a simplifié. Il suffit simplement que j'invoque le sang de cet homme et ma vie tout entière change. Moïse, il a fait des cérémonies qui ont cassé les liens de la malédiction dans la vie à Aaron et ses fils. Mais il y a mon roi Misalilité. Lorsque celui qui délivre a besoin de la délivrance. Et le diable était tellement fort. Il a tellement argumenté devant l'ange Michel-Ange. Et dans Souka Ebissié, il est aussi écrit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est que l'âme de Moïse me revient de droit, parce que c'est une âme qui a péché. C'est une âme qui a répandu le sang, comme tu as dit, et pas il y a Noé, tu vas demander le sang de l'homme, et pas il y a Moutoyo, à Tangisa Kiango. Et Moïse a Tangisa Makila, il doit répondre de cet acte. D'où j'ai le droit
Nikolo yama kilanai. Michel-Ange a écouté. Abeteli Satan m'a beaucoup. Ah oui, j'aime Satan, tu parles bien. Tu sais que toi, tu as vraiment la maîtrise de la parole de Dieu, Satan. Mais, au moment où on va précipiter qui on a, c'est, il y a des cours. Oh, yo, zoa kete. Tu as besoin de rattrapage. Et non, ma kambo, oh, yo, yébite. Satan, l'obini, l'habite toi. Tu as parlé, tu as dit tout ce que tu pouvais dire. Maintenant, c'est mon tour de parler. J'annonce à une personne. Maman, le kalobaki, noko alobaki, papa alobaki, yaya alobaki. Maintenant, c'est le tour de Dieu de parler. Et lorsque Dieu parle, toutes tes bouches s'éteignent. Toutes tes langues s'éteignent. Par les mêmes, à la vie de la personne. Hey. Maintenant, Dieu va parler. Ayebisi Satan, oh yo yebite. Moïse ozo senga makila. C'est la propriété de Dieu. Oh, propriété ensemble. On a droit à quoi inquiéter. Propriété. Namoni, il se fait qu'il y a un ministère nyonso. Mais namoni, il y a quoi de présidence. Pour la présidence. Et sa propriété, il y a chef de l'État. Quand on a eu la famille nyonso. Les familles, il y a un mot quoi ça awa. Famille, il y a un mot quoi ça awa. À la propriété. Le diable a dit comment? En lui ne sais-tu pas que le Moïse que tu réclames est la dîme de l'Éternel? Oh! Oh! À lui comment? Abina Petelouli Solo. Le jour où Abraham est allé délivrer son neveu Lot, lorsque Longi Bitumba, Tanga Bandi Kosonga, la Bible dit à Koutanana Melchizedek, la première des choses, il lui a donné le pain et les vins. Or, il était en train d'introduire Abraham dans la dimension de la Sainte Seine. Jésus dira, celui qui va boire mon sang, il va vivre. Celui qui mangera mon corps, il va vivre. Mais là n'est pas encore le problème. À la fin, il est écrit qu'Abraham donna la dîme de tout. Homme, la dîme, c'est quoi? Namoukousse, c'est la part de Dieu. Satan a dit, mais dis-moi, Pesavana, ils ont un problème, Nini? Naha, Moïse. Ah, c'est, tu ne comprends pas encore. Abisoua hébreu. Il est écrit que le jour où Abraham donnait la dîme devant les Melchisédek, dans son dos, il y a un certain Lévi qui était accroché. Or, lorsqu'on a dit qu'il a donné la dîme de tout, Abraham a donné même la dîme de la progéniture. Voilà pourquoi Lévi est dans son bot là. C'est la part de l'Éternel. À sa part, parce qu'il y a une dîme qui a été donnée. La dîme n'est pas seulement prélevée. Namakambo est allé salaire. Donne tes enfants en termes y a dîme. Tu peux donner la dîme, il y a d'autres. Tu peux donner la dîme, il y a garantie. Tu peux donner la dîme, il y a parcelle. Or, il est écrit, c'est lui qui viendra pour t'évoquer. L'Éternel fera quoi? Va menacer. À cause de la dîme. Alléluia. Ta maison, Nakata Lupangwana, peut devenir une dîme de l'Éternel. Alléluia. Jacob aza héritage nangai. Le pouvoir de la dîme casse les liens familiales. Parce qu'à ce moment, tu deviens la portion de Dieu. Or, na Zacharie Totangaki, parmi que Zacharie, malgré les accusations, il portait un habit sale. Or, l'habit sale dans le monde des esprits, c'est l'image du péché de l'iniquité. Mais il n'a pas parlé sur ça. Pourquoi? Parce que c'est la portion de l'Éternel. Cela dépend de la juridiction de Dieu. Le diable n'a rien à voir là-dedans. Asumuka, asumuka te, ezali kambwa famille. T'as les ali kambwa famille. Baminele balobi le linge sale, c'est lave en famille. Et ama kambwa satate. Atamwa na pasoli vers nandaku. Et ama kambwa papa na maman. Ezama kambwa ya diable te. Na déclaré na boutoua le lo. Zamba zwandaku na yo. Zamba zwalibota na yo. Akomi sabino batime. Deviens la dîme de Dieu.
Marasakaya. Alléluia. Le dimanche, on était en train d'élever un enfant comme une dîme. Mais tu as simplement regardé. Yaya, la réclamation est la dîme de l'Éternel. Parce que la réclamation n'est pas simplement satanique. Parce que l'ange, Michel-Ange aussi, était en train de contester. Lui aussi était en train de réclamer. Il y a une réclamation divine et une réclamation satanique. La réclamation satanique, c'est la dîme du diable. Mais la réclamation divine, c'est la dîme de l'Éternel. Pesabana na yo baza la dîme, ya famille. On se comprend que le diable se bat dans chaque parcelle, il faut dîme ya ndoki azala. Dans chaque avenir, il faut ndoki mo ezaba dîme na yi. Tu peux donner ta maison comme une dîme. Et Dieu va te délivrer parce que tu feras partie de sa propre gestion. Personne ne peut te gérer, personne ne peut t'ordonner parce que toi appartiens à l'Éternel. Toi, tu es le territoire du Très-Haut. C'est lui qui est le roi de ta vie. C'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui est le Seigneur et c'est lui qui décide. J'aimerais qu'on prie même pendant 5 minutes. Nalingo kanga misuna yo. Tu peux casser les liens. Yamakila ya famille. L'autel dans le sang. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. A imita ka oezalak. Parce que lorsque Melchisedec a yen avant, a yen après, il a introduit l'autel dans le sang. Abraham, à la croix de Golgotha, le sang de Jésus était un autel pour la catavine abisso. Yaya, Rediez. Nalingo kanga misuno réalité présence en 5 minutes. Kolayolinga mingi. Namoniango. Wanana sala kimi telengano Yolo kotaki ngayo sukolinga Woko misi ngay mwana na yo Nako pesa na yo runiye Bola maso yo sale
La mode mananga na sebebi simo kilewe na umela na sene kuluswe wana kumandela yo Yesu na gai yo sali zambe Zalizambe, moto azali magele, motema na endele pango na yo, tango na zesala mashumu, na zako bende ya na pango, na umela na seme kuluse, ane Yesu. Rupanto sakabrande ribosa Rukata sikale mando rubash Lepa kosobrande sakaya Ranta sakale manere shakaya Rupa sende ribose kaya Où est le Dieu de Béli? Où est le Dieu de Béli? Où est le Dieu de Béli maintenant? Où est le Dieu de Béli maintenant? Où est le Dieu de Béli maintenant? Je vois une main en train de toucher de vous. Je vois une main en train de toucher de vous. Je n'ai pas besoin de descendre de te toucher. Manel et Saka, même au Saka. L'oncle ta Saka, le Mané Saka. Maropo Souta Yakaya. Sandara Baba Baba. Les dieux des familles. Que Dieu change le temps de ta vie. Zambana n'a qu'on change de Kilan ailleurs. Je n'ai plus la tête sataniste. Ah, t'as la négation boucala.
change le feu. Dans la ligne de son cana. Change. Dans la ligne de son cana. Change. Dans la ligne de son cana. Je sors des cris de mon sang. Ne sont comme un quelele et un macassi. Ce sont des cris de délivrance. Ce sont des cris de délivrance. Matana maboko, 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 matana Il est en train de changer. Oh Jésus. La main de Dieu change est là. Change le fréquence de mon sang. La main de Dieu change est là. Fréquence du sang de mon sang. Sakaya. Change le fréquence du sang de mon sang. Oh, Rama Sakaya. Éternel est Dieu. Chandara Baba Baba. Où est le Dieu des familles? Éternel est Dieu. Le Dieu d'Abraham. Change. Le Dieu d'Isaac. Fréquence de mon sang. Le Dieu de Jacob. Change le feu. Le Tosuka. Change le feu. L'Ombato. Change le feu. Rumanda. Massacre. Tape les mains une fois. Tape deux fois. Tape trois fois. Tape quatre fois. Le bas, hé, yao, ensemble, l'angaï. Tena maboko ayo, hé, yao, ensemble, l'angaï. Matali sou, hé, yao, ensemble, l'angaï. Kande na peta maboko. Na oswa bana l'angaï. Na oswa libota l'angaï. Na kifi na nga moko. Na bilongoli na barin et tata na biso. To koti na barin Abraham. To koti na barin Isaac. To koti na barin Jacob. Oh non, Jésus. Ce sont des restes sans réclamation. Ma sopra sakai. Karo sopai. Ezali kambo makila. Cette femme était restée longtemps courbée. Mais ce jour-là, Jésus est venu. Il a fait quelque chose dans la vie de cette femme. Lorsque les scribes se sont levés, alors cette fille, cette femme, a vu la fille d'Abraham. Alors bien, ça lui tombe à Makila. Dans Makila, Abraham est en réclamation. Dans Makila, Abraham est en hôtel et à ma bête. Voilà pourquoi je déclare. Et l'oko est Kumba qui famille Nabino. Pour ma mona aussi, Kate. Je déclare les soirées à redressement. Quand n'est pas solo, amen. Zamba redresse Vinayo. Car toi aussi, tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Tu es le fils d'Isaac. Tu es celui de Jacob. Et je dirai plus. Tu es le fils de Belinjota. Tu es le fils de Belinjota. Que le Dieu de cette alliance redresse ta famille. Le Dieu de cette alliance relève ta famille. L'Opa Soukaya, Roumande Seke, Sandoro Rachaka, Le Kantoro Mandele, Roumando Sakaya, Ezali Kambwa Makila, Ezali Kambwa Makila, Naomo Namakile Kale Sakaya, Nazomo Namakile Totanga Nabami, Nazomo Nabami Nazomi Misa Makila, Roumande Seke, Lumpa Kasa, Shandaraba, Endarabasaka, Endarasaka ya. Hey, 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 La Bible dit même l'Andata nous enseigne quelque chose. Je n'ai jamais vu un père responsable prospérer, avancer, mais sa maison restait comme ça. Je n'ai jamais vu cet homme, un homme responsable avancer, mais ses enfants n'avancent pas. Je déclare au nom de celui qui vit pour l'éternité, comme notre papa Béli est en train d'avancer, de voyage en voyage,
d'ouverture en ouverture. Je proclame la session des voyages. Naoki amène Naoki. Je suis venu proclamer la saison des voyages. Je proclame la saison des voyages. Je proclame la saison des voyages. Kalasaka. Je déclare et je prophétise. C'est la première prédication. C'est la première fois que je prêche. Depuis que j'ai été coutumièrement marié. Je déclare sous l'onction que Dieu m'a donnée. J'ouvre les mariages maintenant. J'ouvre les mariages maintenant. J'ouvre les mariages maintenant. Que Dieu bénisse ton sang. 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 Et Mandara Saka. Rupa ne laisse. Chakoro Mandasa. Remanda Saka. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. 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 L'esprit des prophètes est soumis. Est soumis. Est soumis. Est soumis. Béni soit-il le Dieu du ciel. Le Dieu créateur, Sarabashé, Ramanese, nous te levons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous bénissons ton nom, sois élevé, toi les trois façons, commence seulement à acclamer, commence seulement à acclamer, pendant que tu acclames, tu es aussi, mobilise le chant pour acclamer pour ta vie, la lingua salama kelele. La lingua sala makelele, yamuto akangola mi, yamuto akomidi mi ensemble, sala makelele. Non, est-ce que tu peux encore faire le makelele pour Jésus?